Oh oui, il l'a mis de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. J'aime trop le deck. Donc on va en partir. En petit pré-shot tranquille. Mmh. Allez, ref, on y croit. Ah putain, sur la perche, j'ai le seum. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui, on découvre un cochon 2.6 version, je sais pas combien, c'est une nouvelle version. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, le cochon 2.6, c'est vraiment le deck qui me fait pas le plus péter un cap, parce qu'il y a des decks très chiants dans la méta actuellement, mais c'est l'un des decks qui fait le plus rager. On a une nouvelle version sans bâtiment. On a une version qui est incroyable avec de l'artificiaire, du mini PK. Va falloir être très solide sur les appuis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous testerez cette version. On va essayer évidemment de rusher dans cette vidéo avec ce petit deck. Et on attaque, vous allez voir, le deck est exceptionnel. On a les chauves-souris, on a plein de cartes sympas. On a également le mini PK que je kiffe. Pas de boule de feu, on a le séisme du coup pour gérer les bâtiments. Les bâtiments qui sont quand même très nombreux en ce moment. Et puis voilà, que du plaisir, c'est parti. On attaque avec le chevaucheur, le premier chevaucheur de la journée, mesdames, messieurs, let's go. Avec du bûcheron, ok, donc on a les chauves-souris, donc beaucoup de dégâts par seconde. Deux dégâts avec le cochon, ça commence très très bien. En plus on a géré le bûcheron, comme tu le vois, on a les petits squelettes qui nous permettront de dévier un méga chevalier, un... Oh là là, un géant squelette, putain, ça va être chaud. Ok, géant squelette. Carte quand même assez relou, la meilleure carte je dirais du jeu actuellement, qu'on voit absolument partout. Est-ce qu'il a les flèches? Bien sûr qu'il a les flèches. On va mettre ça, on va essayer de le faire tourner comme ça. On va essayer de mettre les chauves-souris. Oh là là, attendez, parce que là ça va être... Attendez, là ça va être chaud mon ref. On va mettre la bûche. On va remettre les petits squelettes ici. Voilà, et on va essayer de faire tourner ce jeune squelette géant, frérot. Ok, il n'y avait pas forcément besoin, mais au moins on est protégé contre les armées de squelettes. Peut-être un petit séisme en plus. Oh putain. Ok, on a le mini PK. Putain, il faut oser faire passer ce mini PK. Il va souvent passer. Là, ça va être des sensations, cette vidéo. Je vous le dis, cette vidéo, ça va être full sensation. Ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de continuer la vidéo, quoi. J'ai hâte de voir le résultat un petit peu. Est-ce qu'on va mettre des branlés ou pas? Ok, on va être 3 coups, là. 1, 2, 3. Ouah, 2 coups, dommage. Ok, il a mis le squelette géant, les chauves-souris qui défendent bien. Putain, le deck est exceptionnel, je vous le dis. C'est incroyable de pouvoir défendre le squelette géant comme ça. Il me fait tellement galérer tout le temps. Là, on va le forcer à mettre ses flèches. Ok. On a le fût à squelette, évidemment. Bien relou. Ok. On va pré-shot la bûche. Voilà, parfait. La bûche qui a été bien pré-shot. Ça fait plaisir. Ça régale. Ok, artificiaire ici. Parfait. On va mettre le petit. Ah dommage. Là c'est chiant parce qu'évidemment il a beaucoup de value avec sa machine volante. On va remettre ça, peut-être une bûche. Bûche pré-shot aurait été bien. La bûche pré-shot aurait été exceptionnelle. Là on pourra terminer, mesdames, messieurs, avec attendez, l'artificiaire. Ok, nice, l'artificiaire qui se met ultra yarm, mon ref. Ultra bien. Ok, on a mis une bûche en trop. C'est la panique à bord, c'est la première game de la journée avec ce deck, c'est normal. Artificiaire peut-être, oui, artificiaire qui va être incroyable. Piou, 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 magnifique. Ok. Oh, attends, parce que là on est en train de se faire remonter, mon ref, ça me fait pas plaisir, c'est la remontada. Ok, on va juste essayer d'être sérieux. Le truc, c'est la machine volante qui me casse les... qui me casse un peu les pieds, on va pas se mentir. Très relou cette carte. Mini PK ici. Putain, on peut pas ne pas gagner en fait. Là on donne beaucoup de value sur les flèches, ça va. Il a pas réussi à les mettre où il fallait. Nice. Ok. Les petits squelettes. Et là on peut enfin partir. En petit pré-shot tranquille. Putain de merde, c'est pas possible! C'est quoi cette première game? C'est quoi cette première game? Ok, c'est la première game de la journée avec le cochon. Quelques erreurs. Après clonage, putain, il m'a fait galérer. Il m'a fait galérer les gars. Il m'a fait galérer. Ok, première game. C'est pas grave, on l'oublie. On va envoyer la sauce. Putain, squelette géant, c'était sûr qu'on allait en... C'était sûr qu'on allait tomber contre du squelette géant. C'est pas grave, on continue. Allez bébé, let's go, double prince. Let's go, il avait les flèches pour gérer l'artificiaire aussi. C'est pas de chance. L'artificiaire normalement qui crève pas avec une bûche. Donc, première petite défaite. Quand même satisfait. Satisfait de la game quand même. Voilà, des fois des games tu les perds, mais t'es quand même assez satisfait. Donc je suis pas mécontent de la première game. En vrai on a bien joué, juste sur la fin c'était un peu panique à bord. C'est pas grave, première game avec le deck.
on teste, on s'habitue. Et là, je vous le dis, on va faire du très très sale, du très très lourd. Let's go, on va continuer, tu sais quoi, on continue en cochon, on envoie la sauce. On va voir s'il a une armée squelette, un bâtiment. Ok, il rejoue le prince. On aura effectivement les chauves-souris pour défendre. Allez mon frérot. Voilà. Super, super, on va mettre les petits squelettes aussi. Pour essayer de prendre le tank, pour essayer de prendre l'aggro. Wow, la game d'avant, frérot! J'aime trop vous mettre des games comme ça en première game parce que c'est vrai que sur les premières games des vidéos, t'as l'impression que ça va toujours être une victoire. J'aime bien mettre des games très tendus avec des défaites parce que ça peut vous choquer. Sachant que bah, on a souvent sur les youtubeurs les premières games, souvent des victoires en fait. Donc là, j'aime vraiment trop avoir des petites défaites comme ça, mais très très serrées. Attends, j'aime pas perdre, mais voilà, t'as capté. Ok, là, ça défend vraiment bien. Hein. Franchement, le deck est. On l'a vu, le deck était bon. Même avec quelques erreurs, ça passait quand même bien crème. Ici, ça va protéger. On va mettre beaucoup de dégâts. Là. On va mettre. Ouh là, ça va être assez violent. On va mettre deux coups, je pense. Deux. C'est bien. Deux coups, c'est quand même bien. Et on défend parfaitement. On peut défendre les princes. On peut défendre pas mal de choses. J'ai le seum en fait sur la game d'avant. On aurait dû gratter, je sais, au sort, etc. Mais bon, première game avec le deck, c'est pas grave. On va essayer surtout de se focus sur les prochaines, sur ce qu'on peut contrôler, puisque le passé, on ne peut pas le contrôler malheureusement. Heureusement plutôt, ce serait un peu bizarre. Ok, mini PK. On va mettre simplement une bûche, on se fait pas chier. Voilà, ok. Oh, il part sur double gobelin géant. Ah ouais, il s'en balèque lui, hein. Il s'en balèque. On a fort heureusement ce jeune mini PK des familles qu'on va pouvoir mettre en double. Voilà, et là, ça va passer, frérot. On a le golem de glace devant, la bûche des familles. Allez, bébé, voilà. Et là, ça envoie. Et là, on envoie tout ce qu'on a. Le cochon, de toute façon on peut finir au séisme. Attention parce que la game d'avant j'ai fait de la D. J'ai fait totalement de la merde mais c'est pas grave. Ok, squelette. Nice. Et on va finir cette fois-ci au séisme. On envoie deux séismes dans la tête de l'adversaire. Et ça passe. Quel game de fou. Et le play golem de glace aussi hein. Très très bon play à faire. Faites-le vraiment sans modération ce play. Faites-le tout le temps. Le golem de glace pour faire tourner, c'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs plays du jeu pour gagner. Ok. Première victoire. Première victoire. On se met super bien. Oh, attendez. What? Mon frère, qu'est-ce que tu fais, là? Pas comme la game d'avant, s'il te plaît. Non, pas comme la game d'avant. On termine. Voilà, là, j'aime bien. On est à 1 partout. On est content. On est très heureux. Vous savez quoi? On va essayer de taper les 6200 dans cette vidéo. Je m'engage à taper les 6200. Putain, la vidéo... Oh là là, le gars, Barbare d'élite. Zappy, vous l'avez vu? Barbare d'élite Zappy dans son... Dans son tag, enfin je sais pas comment ça s'appelle, dans sa bannière, je sais pas comment vous appelez ça. Game of Phone, son clan. Ok, très bien. Allez, let's go. 3 dégâts. Ok. Donc la difficulté sera évidemment de défendre le cochon sans bâtiment. Donc on va voir comment ça se passe. S'il y a un cochon en face, évidemment, pas sûr qu'il est cochon. L'idée, ça va être également de garder l'artificière en vie. Elle est tellement toxique, mon frère, que... Si on arrive à en avoir deux sur le terrain, c'est quasiment gagné. Voilà, là, ça va faire beaucoup de dégâts. Regardez, 2007, 2003, c'est énorme. 400 dégâts, c'est un coup de géant, quoi. C'est une patate de géant, patate de forain. C'est à la ref de cette chanson incroyable de 2007. Oh, Zappy, ok. Deux coups, ça me va. Belle contre-attaque pour l'adversaire. Ok, donc là, il va falloir être stratégique. On a surtout les chauves-souris qui vont nous permettre de gérer ça. Le petit golem de glace aussi, qui va être bon. Nice. Voilà, très bien, Zappy qui se fait découper. Mini PK peut-être. Ouais, je voulais vraiment garder l'artificier en vie. Ça se fait même pas one shot, putain, c'est vraiment trop cheaté, les gars. Vraiment trop cheaté, cet artificier. On défend tellement bien, le deck est trop plaisant. C'est le deck, t'as le sourire quand tu le joues. C'est un truc de fou, quand même. Tu ne peux pas ne pas avoir le sourire quand tu joues ce deck et que tu le joues bien. Ok, barbare d'élite. Quand même cheaté ce séisme. Hein. Faudrait quand même faire quelque chose parce que le séisme c'est quand même bien cheaté. Ok. C'est quoi avec les chauves-souris? Je pense pas qu'il régresse. Ok, il joue géant. Le géant, on a quand même le mini PK pour défendre. Les chauves-souris aussi. Là, le problème c'est qu'on a pas de value sur les chauves-souris. Enfin, elles vont pas contre-attaquer donc c'est un peu con. Après, c'est pas comme des petites gargouilles à 3. Là, je sais pas comment je vais faire en vrai. Je suis honnête avec vous, je suis totalement perdu là. Là, je suis totalement perdu, mon frère. Ok, mini PK.
Ouah, si on réussit cette défense, mon frère, c'est incroyable. Et ça passe, bébé. J'aime trop ce deck. Là, on va évidemment gratter. On va pas faire... En fait, ce qui est bien, c'est quand tu fais des erreurs, tu peux voir les erreurs que tu as faites et tu peux justement les corriger. Donc là, par exemple, l'erreur qu'on avait faite au début, on ne la refait pas, frérot. Hors de question. Oh, s'il passe derrière. Ouf. Ouais, non, dommage. On prendra pas de dégâts avec l'artificiaire. C'est pas grave. C'est pas comme le gobelin Sarbacane qui peut tout le temps mettre des dégâts. Même s'il a un point de vie, le gobelin Sarbacane, il mettra des dégâts. Là, on va cycler comme des bâtards. Voilà ce qu'on aurait dû faire vraiment avant dans la game précédente, frérot. 7 secondes restantes, c'est terminé. Bien joué, GG. Très belle partie. Et ça passe. Voilà, je vous l'avais dit, on allait se réveiller. Mais c'est vrai que c'est un deck, plus tu le joues, mieux tu vas le jouer. C'est logique. Et forcément, c'est un deck très plaisant, utilisé par les meilleurs joueurs du monde. Tu l'avais deviné. Petit pack opening, let's go, combien on adore. 11 000, putain, mais c'est énorme en fait. On a énormément d'or dans ces trucs, c'est vachement bien. Allez bébé, ça continue, 6090 trophées. Je me gratte l'œil. Oui, on est contre Xlo, Team Pancakes. Bonne chance mon frérot, comment ça va aujourd'hui? On envoie un petit cochon avec des chauves-souris, j'adore. Il joue canon, donc la bonne nouvelle c'est qu'on a évidemment le séisme. Donc ça, ça fait plaisir. Je pense qu'il joue aussi cochon 2.6, voilà, effectivement. Donc on va voir un petit peu. Voilà, on doit défendre évidemment à chaque fois avec le mini PK. On ne peut pas mettre de bâtiment parce que on n'en a pas. Voilà, c'est le meilleur argument. On ne peut pas en mettre parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus en stock, il n'y en a plus en réserve. Ok, mini PK. Est-ce qu'il va défendre? Non. J'aurais bien aimé qu'il défende. Oh putain, là, c'était tendu. C'était extrêmement tendax. Séisme. Ok. On l'a loupé. C'est pas grave. Comment on a mis quelques patates. On a 3300. Bon, il est niveau 10 aussi. Il a un niveau un petit peu plus faible que le nôtre. Artificiaire. Plus les squelettes. Nice, l'artificiaire. Qu'est-ce que je kiffe. Vous le savez, hein, ça fait partie des cartes les plus toxiques selon moi. Ok, selon moi, hein, évidemment. Je suis pas joueur, je suis pas le meilleur joueur du monde. Loin de là. Non, mes frères, il prend. Ok, c'est bon. Pas de golem de glace. Ok. J'aimerais juste mettre un petit coup de mini PK. Ok, ça le force à défendre, c'est bien. Vous voyez ce petit play des chauves-souris? Ça l'a un peu fait paniquer, hein, un peu. Putain, duel de cochon 2.6. Mal de tête prévu sur la planète Terre, là. Ah, ça va faire mal. Ouais, forcément, il joue là. Après, s'il joue tout le temps là, on pourra avoir l'artificiaire pour pré-shot. En fait, il n'y a pas de placement parfait. Enfin, comment dire? Si tu sais où il le met... Il peut jamais t'avoir, quoi. Parce que voilà, effectivement, dans cette zone, je peux pas mettre mon séisme. Mais effectivement, si je joue tout le temps son canon ici, je vais pouvoir mettre les chauves-souris ou quoi. Falloir être bon, les gars. Falloir être bon. On va gratter un petit peu. Il va sûrement rajouter un truc. Voilà, un golem de glace. Faut value ce mini PK absolument. Il a trop de value, le gars. Là, on attaque même pas au séisme, là. On s'en bat les couilles du séisme. Bon, quoi que... Ouais, je l'ai quand même mis, mais t'as capté. Allez, un petit coup de cochon, s'il te plaît. C'est tendu, hein. Franchement, les games sont bien. Battle de cochon 2.6. Franchement, c'est un truc de fou. Normalement, on prend pas de dégâts ici. Nice. Est-ce qu'on peut passer au mini PK, frère, s'il te plaît? Allez, un petit coup. Ah, oh, putain, il rajoute la bûche. On est toujours derrière, hein. Il joue vraiment mieux que nous pour le coup. Je suis honnête avec vous, il joue mieux que nous. Il a la boule de feu. On va essayer de garder en vie cette artificière des familles. Putain, il l'a pas loupé. Il l'a pas loupé une fois, le frère. Putain, il l'a mis de l'autre côté, mon ref. C'est grave. Allez. Il joue bien, il joue vraiment bien. N'arrive pas à passer. Il fait tout le temps un peu les mêmes plays aussi, donc on est peut-être un petit peu... Ah, c'est trop, mec. Je devrais peut-être pas accompagner le... On va le mettre à droite, le cochon. Je sais qu'on oublie tout le temps. Mets ton cochon à droite, trapa. Ok. Putain, je l'ai mis pour rien. Terrible. Et ça passe enfin. Ça passe enfin, mon ref. Let's go. Oui. Julien Lepers, le retour.
Waouh, il suffisait d'une seule fois, on a mis le cochon bien à droite, vous avez vu, dans le petit carré à droite, cette victoire. Oh, coffre magique, on va s'ouvrir direct. Cette victoire, elle compte beaucoup, parce que franchement, battle de cochon 2.6, on a enfin réussi à faire passer le mini PK, etc. Quel plaisir, mesdames, messieurs. Pouce bleu si vous aimez la vidéo. Seulement si vous aimez, si vous n'aimez pas, ne mettez pas de pouce bleu évidemment. Ah bon, si t'es là au bout d'un quart d'heure, c'est quand même que t'aimes bien, je pense. Allez bébé, let's go. Putain, c'était tendu, hein. C'était tellement chaud. L'arène des archers, on pourrait la gérer au mini PK avec plein de trucs. Ok, y'a rien. Y'a rien, putain. Eh, quand ça passe, c'est vraiment la meilleure sensation, les gars. Rien à dire. RAS. On va mettre ça. Nice. Waouh, on nous a fait très très mal, hein, la coquine, là. Cochon. Le fût à barbare, vraiment, très bonne idée, rien à dire. Enfin, rien à dire, il a géré. Il a vraiment géré, le ref. Le fût à barbare me fait vraiment chier, soyons honnêtes. Ok, là, vraiment, faut pas faire des merdes comme ça, hein. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ok. Début de partie complexe, hein, qu'on a eu vraiment confiance après cette première game, là. Après la game d'avant, on a vraiment eu un pic de confiance. Faut être vigilant. Oh, on va tirer à tout central, mais c'est pas grave, Balek. Et la reine qui m'a quand même fait mal, donc... restons vigilants, évidemment. La bûche. Nice. Ok, faut savourer les petites victoires. Même les petites victoires, là, le truc, c'est qu'il a le méga chevalier qui peut me défoncer. Ok, juste un golem de glace ici, 2 pour 2. On est bien, on a gratté des deux côtés. Je préfère être dans ma situation que la sienne en vrai. Ok, on va envoyer des deux côtés. Il a le méga chevalier. Hein. Il a le méga chevalier, le ref. Petit squelette, putain, il va nous avoir. Hein. Ah, il va nous avoir avec ce cavabellier, les gars. Il va nous avoir avec ce cavabellier. Putain, j'ai le seum de fou. Méga chevalier, cavabellier. Reine des archères. Putain, le deck est bon. Oh. Par contre, ça. Putain, ça, c'était pas prévu, les gars, ça. Hein. C'était pas prévu, hein. Non, bien joué à lui, franchement, j'ai envie de give up. Une game comme ça, c'est vrai que c'est chaud. Tu vois le cavalier, tu dis, putain, comment je vais défendre. J'avais le mini PK, j'avais tout, mais malheureusement, je l'ai mal mis. Ah, petite défaite. Il en fallait une, hein. Il en fallait une. Enfin, on a eu la première défaite aussi dans la première game, mais. Waouh, la cage goblin tellement chiante. Je pense que la cage goblin, soyons honnêtes, c'est l'un des pires counters parce que le séisme ne la défend pas totalement. Et c'est relou quoi, c'est vraiment très chiant. On va essayer de prendre une tour quand même. J'ai mal défendu, il y a le méga chevalier qui est arrivé. J'ai mis le cochon de l'autre côté. My bad. Gros tank aussi en face, dommage les gars. Dommage, allez prends la game mon frère. Fais toi plaisir, bien joué. Mais game intéressante. Quand j'ai vu, ouais c'est bon frère, c'est bon. Je vais muter, c'est bon, ils vont me casser les pieds. Game intéressante. Et il faut vraiment rester vigilant, encore une fois, je vous dis tout le temps, mais soyez patient. Et c'est vrai que cochon 2.6, on a envie d'envoyer tout, d'envoyer partout. Mais c'est vrai qu'avec des gros tanks comme l'arène, le cavabellier, méga chevalier, toute la famille, on peut vite se faire éclater le cul. Donc, soyons vigilants et on passe sur la prochaine game. C'est parti. On a dit qu'on voulait 6002, on va y arriver. Fémimel. Oh, j'adore sa bannière. Donc là, on a la pire main du jeu. Welcome. Ok. On partir en mini PK, on a quand même une bonne troupe, un bon troupeau de cartes, j'ai envie de te dire. Ok, mini PK qui devrait mettre un coup ici. Hein. Okay. Ça joue les squelettes. Ok, tant qu'il n'y a pas de méga chevalier cavabellier, je suis heureux, je vous le dis. Pour l'instant, on est bien. Non, frère. Putain. Donc, on a mis chauve-souris en défense, tour de l'enfer. On aura le séisme, c'est la bonne nouvelle pour la suite. Squelette qui défend la tour de l'enfer, ok. S'ils étaient devant, ça aurait été mieux. Puisqu'on aurait pu prendre l'aggro. Ils auraient pu prendre l'aggro, ça aurait pu être incroyable. Ok. Alors, comment va-t-on défendre ce qu'il va nous mettre, le frère? Comment va-t-on défendre tout ça? Golem de glace. Allez, le ref, on y croit. Faut vraiment y croire. Faut pas abandonner, vraiment. Bon, après, la game d'avant, c'était mort. Hein. La game d'avant, c'était clairement mort dans le film. Boum. Let's go. Ok, bûche. Artificiaire qui va être très fort. Tour de l'enfer. Pas de tour de l'enfer. Oh, il a loupé. Là, on peut mettre GG. On peut mettre bien joué. On peut même mettre les chauves-souris en plus. Pour protéger l'artificiaire. Et mettre quelques patates.
Je sais pas s'il va give up, je pense qu'il va give up, on va voir. Je pense qu'il va give up, on va essayer de forcer. En fait, comme il se dit, je peux me faire défoncer tout... Je peux me faire défoncer, il va peut-être give up. Parce que c'est vrai que c'est chiant d'attendre que l'adversaire te finisse. Ok, ça devrait terminer, let's go bébé. Waouh. Un peu risqué hein, quand même le fait de pousser sur le mini PK à la fin. Mais bon, j'aime bien. Ok, bûche. Elle fait plaisir. Tu l'as ressenti dans l'émotion, cette victoire. Elle m'a fait vraiment plaisir. Et je kiffe. Je kiffe jouer le deck, donc ça fait plaisir. Allez, du coup, on passe à 6100. Encore 3 petites games. Putain, c'est long, hein. Allez, encore 2 games. Vous savez quoi? 2 games. Allez, bébé, ça continue. 6118. Il faut grimper et sommer. Donc, let's go contre MMD avec son émoticône de prince. J'adore. Allez, let's go, frère. On va remettre le cochon sur le côté droit comme ça. On attend bien que le golem de glace passe devant. Sinon, c'est la catastrophe. Ada, on est contre du golem ou du molos. Golem, je pense. Ok, ça commence très bien en tout cas. 2006. C'est pas mal. C'est pas mal. On va dire même c'est excellent. Mais voilà, on reste sur notre vigilance orange, frérot. Je suis Catherine Laborde. Let's go. Ok. Ouf. Pas trop de dégâts. Ok, nice, on est bien. Bébé dragon. Intéressant. Évidemment, on est contre un deck golem. Je pense, ouais, je pense que c'est du golem. Pas se mentir, c'est tout le temps du golem. Ces trucs, quand il y a... Voilà, c'est du golem. Donc, on a du mini PK qui sera bon. Pas de bâtiment, effectivement, dans le deck d'en face. La tornade qui est jouée. On va être 3-4 dégâts ici, c'est bien. 2, 3, 4... Par contre là, ça va être tendu. Donc, golem de glace, plus mousquetaire, plus artificiaire, pardon. Et on va être du mini PK. J'ai aucune idée de si ça va bien défendre ou pas. J'ai juste envie qu'on ne prenne pas trop cher, les gars, s'il vous plaît. Oh, c'est pas assez. Hein. On garde le mini PK en vie. Allez, bébé, oui. Après, on en fois. Hein. Rappelez-vous que le golem, c'est du x2. C'est très très fort en x2, le golem, et en x3 aussi. Duel de mini PK, let's go. Oh, il a complètement fail l'artificiaire, c'est pas grave. Ok, normalement on prendra même pas de dégâts sur le golem de glace. Je dis de la merde comme d'habitude, on va essayer de passer sur le côté gauche. Ok. Évidemment c'est compliqué, hein, mais quand il va mettre toute son artillerie, entre le golem, le mini PK, enfin bref, tout ce qu'il a, ça va être chiant, la sorcière de la nuit. Donc on gratte déjà la tour de gauche. Je pense qu'on va juste mettre l'artificiaire ici. Histoire de ne pas prendre trop de dégâts. Et on va garder l'artificiaire qui va taper sur le côté droit. Nice, ok, parfait. On va commencer à mettre un séisme derrière. Commencer à gratter, évidemment. Mini PK. Oh, cette game est folle. Cette game est vraiment folle. Ok, let's go. Donc là, on aura un peu plus de possibilités. On peut attaquer directement sur le côté droit. On va essayer de garder ça en vie. Séisme. Il faut vraiment envoyer la purée, là. Il faut vraiment envoyer la purée, les gars. L'artificiaire derrière. L'artificiaire, faut vraiment pas sous-estimer parce que dans ce match-up, ça peut faire vraiment toute la diff. Après, j'ai quand même peur, c'est quand même un match-up très dégueulasse. Donc, ouais, c'est mort, putain. 1100, on a une PK dessous. Faut juste pas perdre cette tour. Ok. Je pense qu'il a forcé là. Je pense qu'il aurait clairement pas dû forcer. Ok. Ok. Séisme. C'est pas grave, on a mis une dégâts qui peut. Ah putain, sa tornade de baiser qu'il a mis là. Il a vraiment mis une tornade de fou. Allez, on y croit. On envoie du cochon. On retourne en cochon. Le truc, c'est que s'il met son golem, il est dans la merde parce que je vais forcément mettre du cochon. 500. Le glace. Allez, ref, on y croit. Ah putain, sur la perche, j'ai le seum. Cochon absolument dans le coin. Le truc, c'est qu'il a tout ce qu'il faut. Non, le mini PK, il a pas le droit, mon ref. Il a pas le droit. Il a pas le droit. Ah putain, PK, c'est le pire deck, mon ref. J'ai pas de tornade, c'est vraiment la merde. Aïe 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 aïe. Dommage, on avait bien gratté sur le côté gauche. Et je pense qu'on aurait dû mieux protéger. Au lieu de faire 2 petites agressions, on aurait mieux fait d'en faire une énorme. Allez, c'est pas grave, frérot, let's go. On envoie la sauce contre cet adversaire. Je sais pas du tout ce qu'il joue. Je m'en bats les couilles. Ah, j'ai le seum de fou. J'ai le seum de fou sur la game d'avant. Putain, c'est horrible. On était bien. Franchement, on était très très bien.
Le truc, c'est que là, chaque pixel compte. Lui, il a juste à faire le gros bourrin, tout envoyer. Après, c'est notre faute, hein. On a très mal joué sur la fin. On aurait mieux fait d'attendre et de bien défendre et de faire une énorme agression avec le cochon. Là, c'est une super défense qu'on est en train de faire, même si, évidemment, c'est niveau 16, donc on prend forcément des patates. Chevaucheur de cochon, après, sa tornade se mettait vachement bien. Golem, tornade, je sais pas si tous les golems jouent tornade, mais je crois pas. C'est vrai que c'est pas trop de chance. Allez, bouffe ta tour, bouffe lui sa tour, bébé, let's go! Ok, là, ça fait quand même bien plaisir, artificière. On a dû essayer de stacker deux artificières aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on tire quand même des conclusions assez rapidement. Je trouve que, voilà, on se remet quand même bien en question, donc c'est cool. Golem de glace ici, pour passer devant. Allez, on va fournir croix. Ok, là, on va pouvoir gérer ça. Ça one-shot, c'est nickel. C'est parfait. Parfait. C'est quoi, on va le forcer à défendre sur l'autre côté. Là, il peut pas mettre son fût de gobelin miroir. C'est un peu suicidaire. Nice. Ça, c'est bon, ça. Les chauves-souris qui tapent, ça le force à rajouter. En fait, ce qu'on aime, c'est que ça le force à rajouter ici. Faudrait que je joue plus sur l'artificière. Vous avez sûrement raison. Si vous l'avez dit dans les commentaires, peut-être qu'il y a eu des commentaires qui me le disent. Mais plus jouer autour de l'artificière, c'est vrai que c'est une carte qui me fait littéralement péter un câble à chaque fois. Donc plus jouer autour de l'artificière, effectivement. Un petit dégât, let's go, ça fait plaisir. Artificier ici. Wow, le gobelin ça va quand même, qui a quand même une cadence de fou furieux. Il a réussi à défendre les deux squelettes plus le. Plus l'artificier. On va être le mini PK ici. Voilà, comme ça on garde la bûche si jamais il y a besoin. Et il y aura besoin, je pense. Il va le rajouter. Ouais, effectivement, il le rajoute. Il a mis devant pour essayer de me faire un petit piège. Allez. Prends la tour. On va pas le laisser se reposer. Let's go frérot. Je crois qu'il a le... Non. Ok, il a cycle. Ok, bonne victoire contre ce lockbait, ça fait plaisir, franchement. J'ai envie de rejouer contre un golem là. J'ai envie de rejouer contre un golem, mais encore une fois, quand vous maîtrisez un deck, vous savez comment jouer contre tous les autres decks. Vous savez les lacunes que vous avez, etc. Et c'est pour ça que vous devez vous focus sur un seul deck et le maîtriser parfaitement pour savoir comment jouer contre tous les autres decks qui vous font chier. Vous avez des decks, entre guillemets, où il n'y a pas de match-up. Genre ce deck-là, je pense pas que j'ai un bon match-up, je pense pas que l'adversaire ait un bon match-up. Il y a certains decks où vous avez un mauvais match-up et là, il faut essayer vraiment de savoir les stratégies pour défoncer l'adversaire. Dernière game. Allez, comme ça, on passe les 6150, ce serait quand même bien. Ce serait quand même positif. En fait, dites-vous que tant que vous faites pas des sessions négatives, c'est cool. Ok, on va attendre. 1, 2, 3, cochon, let's go. Ok, je pense qu'on est encore une fois contre un... Ok, on est contre un cimetière. Ok. On est contre un cimetière, c'est sûr. Donc, on va mettre le mini PK ici tranquillement. Avec l'artificière, les petits squelettes. Le golem de glace devant. L'artificière qui tape. Putain, c'est violent. Oh, c'est ultra violent, mon ref. Putain, c'est tellement pas mérité, les gars. Là, je suis désolé. C'est pas mérité. Comment ça peut être mérité de se prendre une branlée en 2 secondes? J'ai juste mis mon cochon au début. Bon. On va se dire qu'il joue cimetière et que forcément, comme ça joue cimetière, il va être mauvais lorsque la tour centrale sera activée. Et c'est le cas, la tour centrale est activée, donc c'est cool. J'ai l'impression que contre bébé dragon, on est dans la merde. Je sais pas, golem, il jouait bébé dragon. Là, il joue aussi bébé dragon. J'ai l'impression que ça met vraiment dans la sauce. Après, il n'envoie pas d'émoticône, donc c'est déjà ça. Une belle contre-attaque. Ouais, faudrait... Ouais, il arrive à bien contre-attaquer, donc faut faire gaffe. J'essaie de déduire des conclusions, mais... Ok, là, il a mis sur le côté gauche, donc on peut y aller à droite facilement. Allez, gère les squelettes, ok, nickel. Mets les chauves-souris. Il a pas de grosse contre-attaque sur le côté droit, ça fait plaisir. Et également, pas de capacité, je l'espère. Non, pas de capacité, let's go. Ok, l'artificière, faut vraiment jouer sur elle, encore une fois. On va essayer de protéger le mini PK. Et on passe sur le côté droit. Il n'y a pas de petits squelettes ou de trucs comme ça, donc c'est quand même cool. Allez, mini PK. Allez, bébé, putain, régale-moi. Allez, faut que le squelette, il pète, là. Voilà, 1, 2,
Allez bébé, let's go. Putain, le deck est trop bon. Le deck est trop bon, je vous le dis, on va y arriver. Il faut y croire, les gars. Il faut y croire. L'artificiaire. Le truc, c'est qu'il a plus de... Ouais, là, il est obligé... Oh, il est obligé d'être... Il est en galère, là. Il est en galère, le mec. Ok. Ok, mon ref, calme-toi, quand même. Calme-toi, mon frérot, quand même. Ce serait dommage de prendre la confiance, là. On est bien. On va le laisser prendre le focus. Tombstone. Oui. Oui. Oui, bébé. Sorcier de glace, quand même assez violent, je trouve, le sorcier de glace. On n'en parle pas assez. Mais quand même très relou. En fait, là, il va tout simplement me bloquer la... Ouais, on va mettre ça. La bûche des bois. La capa. Voilà, putain, ça défend bien. Le deck est bijou. Le deck est bijou. Allez, bébé, oui, mets ton truc. Mets ta bouse. Ah oui, il l'a mis de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. J'aime trop le deck. Cochon 2.6, nouvelle édition. Soyez prêts à affronter ce deck sur le ladder. Il fait très mal et je pense qu'il va faire des massacres dans vos mains puisque vous êtes les boss. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Du coup, on passe à 6141. C'est pas mal. On continue à gravir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine. Code créateur Trapa dans la boutique pour soutenir. C'est totalement gratuit et ça soutient.